Elles sont accueillies comme des stars. Les élèves sont impatients de découvrir les trois poules pondeuses. Professeure des écoles et coordinatrice du projet de développement durable, Séverine dévoile devant les enfants les prénoms des gallinacées après un vote dans les classes. La poule blanche s'appelle Cristal. La rousse se prénomme Noisette et la grise Cookie. Elles ont pris possession du poulailler flambant neuf. Il y a 2 ans déjà, on a constaté qu'à la cantine, il y avait beaucoup de gaspillage. Donc on a travaillé l'an dernier avec les enfants sur pourquoi ce gaspillage et comment faire pour le limiter. Est venue l'idée des poules. Donc, à partir de demain, tous les midis, il y aura quelques enfants qui iront à la cantine récupérer quelques restes de la cantine pour pouvoir les nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger ? Des nouilles. Ils vont faire un beau repas. Élèves de CE2, Clarisse, Léonie et Lucas sont allés récupérer une partie des restes de la cantine pour nourrir les animaux. Objectif : sensibiliser les enfants au développement durable. C'est pour pas gaspiller, pour finir les restes. Et si on finit pas les restes, ça use des sous. Ça fait comme si on mettait des sous à la poubelle. Un planning a été établi pour que les 9 classes de l'établissement s'occupent des 3 poules pendant toute l'année scolaire. Noisette, Cookie et Cristal ne manqueront pas de nourriture dans leur poulailler.